n'aime pas trop les Arabes ici. Eh ben, t'aimes pas trop les Arabes, c'est pas mon problème. Je t'ai fait voler par un Arabe, c'est pas mon problème, on n'est pas tous comme ça. Donc, en gros, toi, t'es français, tous les Français, c'est des racistes alors? Pas forcément. Eh ben, donc, heureusement qu'ils sont pas tous comme toi, les Français. Parce que je peux te dire que la France, ça se comporterait mal. Salut à tous, c'est Bokeh. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec un quad. Donc, c'est un 305. Non, c'est pas un 350. Non, non, je rigole. Bon, c'est un 450YZF. Donc, je vais vous le montrer plus en détail. Donc, regardez, il est juste là derrière moi. Là. Donc, on voit, il est massif. Hein. Donc, regardez, il est plutôt pas mal. Donc, j'ai jamais testé ce quad. Et bah, écoutez, aujourd'hui, nous allons le tester. Il est équipé d'une ligne. Donc, je ne sais pas c'est quoi cette ligne. Voilà, donc j'ai jamais entendu parler, donc Greeno Racing, donc dites-moi si ça va péter ou pas. Donc voilà, c'est un, je sais pas c'est un quelle année, mais voilà, on m'a dit qu'il était un peu 2006. Donc voilà, c'est un 2006 et voilà, il a un peu, il m'a dit qu'il avait les suspensions rabaissées ou quelque chose comme ça, qu'il avait modifié 2-3 trucs. On va tester et on va avoir la vue GoPro, donc on sera sur la GoPro, on va essayer de le tester, etc. Et vous allez voir par vous-même, on va voir si ça pousse ou pas. Et de toute façon, je pense que ça va pousser plus que le 350 Raptor. Donc voilà, j'ai testé que 350 Raptor et 700 Raptor. Mais on m'a dit que 450 c'est l'idéal. Donc voilà, alors on va tester ensemble, tous ensemble. Et puis voilà, donc c'est pas une poignée de quad habituelle, c'est une poignée à gaz directement. Donc voilà, bref. C'est parti, on se retrouve sur la vue GoPro. Voilà, si la vidéo vous... Si vous kiffez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, etc. Et à me dire ce que vous en avez pensé. Et le prochain quad à tester, on essaiera d'en faire un prochain. Donc voilà, c'est parti. Oh non, me dis pas qu'il vient de m'arriver ce qui vient de m'arriver. Entendu. Tu vois pas, tu nous fais chier avec ton quad bouillon de mort. Bah j'ai rien fait, j'ai juste fait un tour. Mais tranquille dans le village là, tu nous fais chier là. Bah j'en fais dans le champ et tout. Je suis en champ. Mais chez toi, je sais pas. Bah j'habite à côté. T'es dans la ville à côté. Alger, c'est hein? À côté ici, Alger. Non. T'es monsieur, je sais pas ce que vous voulez, mais j'ai juste fait un tour. On ici. On est tranquille ici, pourquoi tu viens nous faire chier ici? J'ai le droit d'en faire ici quand même. Bah non.
Pourquoi? Bah c'est pas chez toi ici. Bah c'est pas chez prends toi aussi. Et rentre chez toi. Mais c'est pas chez toi aussi, j'ai le droit de venir ici, t'es raciste. Bah ici c'est en France donc... En France, j'ai le droit d'en faire ici. En France, j'ai les papiers du véhicule, j'ai tout, j'ai un casque. Comment t'as pu les procurer? Donc là, vous êtes en train de dire que je l'ai volé le quad? Bah, je pense. Bah non, je travaille comme tout le monde, monsieur. Bah, tu touches le... Non, pas du tout. Si. Non, non. C'est quoi votre problème au but, en fait? Vous voulez quoi, en fait? Vous voulez que je vous claque par terre? Vous voulez que je fasse quoi? Moi, je veux dire, tu te casses. Allez, ton quad. Mais pourquoi tu veux que je me casse? Mais t'es malade ou quoi? J'ai le droit d'en faire ici. Non. Mais t'es qui pour pas que j'en fasse ici, toi, en fait? T'es malade? Je suis un bon français. Ouais. Tu vois qu'il y en a un qui est venu comme toi. Et bah, tu t'es fait voler chez toi, c'est pas, faut pas en faire une généralité. Moi, si tu te fais voler par un arabe, c'est pas de ma faute, c'est pas moi, on est pas tous comme ça. Et qui t'a dit que j'étais arabe? Tu sais, t'es pas trop blanc. Et alors? Bah, je suis peut-être, mon père est peut-être réunionnais, je suis peut-être de la Guadeloupe. Je suis pas arabe, qu'est-ce que t'en sais? Tu juges juste à la couleur de peau en fait. Bah non, bah t'es raciste. Après, en fait. Tu vois ça comme ça. Hein. Bah non, bah t'es raciste. T'es au courant que j'enregistre là. Ah bon? Bah ouais, j'enregistre. C'est-à-dire que si je veux, je t'affiche. T'es dans la merde. Ah ben moi, je peux appeler les flics pour le quad. Bah tu peux l'appeler, il est homologué. De toute façon, dans tous les cas, les flics ils vont voir. Bah appelle-les, il est homologué là tout. Déjà t'es arabe, ils vont voir direct. C'est pas grave, j'ai les papiers, j'ai le permis, j'ai tous mes papiers sur moi. Il y a ma voiture juste là-bas. Si ça te pose un problème, tu peux les appeler, il n'y a pas de problème. T'aimes pas trop les arabes ici. Eh bah t'aimes pas trop les arabes, c'est pas mon problème. Je t'ai fait voler par un arabe, c'est pas mon problème, on n'est pas tous comme ça. Donc en gros toi t'es français, tous les français c'est des racistes alors. Pas forcément. Eh bah donc heureusement qu'ils sont pas tous comme toi les français. Parce que je peux te dire que la France ça se comporterait mal. T'es malade ou quoi? J'ai le droit d'en faire ici si je veux. Le quad il est homologué. Tu me dis juste passe pas homologué, ici. Homologué mais volé. Non, pas volé, j'ai les papiers de vente. T'aurais eu un problème, tu m'aurais juste dit ouais s'il te plaît passe pas ici, il y a du bruit. Tu me dis pas bougnoule ou je sais pas quoi, mais t'es malade toi. C'est comme ça qu'on vous appelle. Non, 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 on nous appelle pas comme ça. T'as cru qu'on était quoi? T'étais une race supérieure ou quoi? Non, 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 mais t'as un problème toi, je te le dis. T'as de la chance, t'es tombé sur moi. Moi je me calme. Mais tu serais tombé sur un autre gars, il t'aurait claqué ta mère par terre là. Tu serais au sol. Et par un bougnoule. Je te le dis, sois content que ça soit moi. Parce que je peux dire, il y en aurait deux, trois, il t'aurait déjà niqué ta mère. Bon, maintenant tu vas faire quoi? Mais je vais passer ici si je veux. Non, je passerai ici, mais bah, on va attendre les cœurs. Jusqu'à Algérie. Hein? Jusqu'en Algérie, tu peux partir. Tu sais que j'enregistre tout là? La caméra. Si je veux, je t'affiche. Elle est où la caméra? Elle est là, la caméra. Si je veux, je t'affiche. Si je veux, je te fais tout ce que tu veux. Si tu veux, je t'enregistre, si tu veux, je fais n'importe quoi. Si t'as un problème, tu me dis tout de suite, je t'affiche. Vas-y, dis-moi, c'est quoi ton problème? Clairement. Si, pourquoi tu me dis ça? Des personnes comme vous viennent me faire chier dans mon village. Mais c'est pas le tien. Vous prenez déjà notre argent, le métier. Ouais. Mais toi, t'as un problème, toi. Mais t'es un facho, en fait. T'es un facho, t'es du FN. Voilà. Ouais, bah c'est Le Pen et... C'est pas mon problème. Dommage qu'elle est pas tombée. Hein? Sinon, toi, tu serais même pas là en train de faire du quad. Et vrai, je serais où? Bah, chez toi. Dans mon pays? Ouais. Bah, c'est, je suis né en France. J'ai les papiers français. Je sais même pas si t'as les papiers déjà. Si, j'ai les papiers, ils sont dans mon véhicule. T'as pas de poche? Bah, parce que je fais du quad, je laisse tout dans mon véhicule. Bref. Écoute, s'il te plaît, arrête de parler avec moi parce que là tu commences à m'énerver. Hein, sérieusement, je vais commencer à m'énerver, à t'insulter. Tu vois, je veux pas faire ça et je vais même te claquer par terre. Donc arrête, s'il te plaît, rentre chez toi. Tu m'aurais dit calmement juste arrête de passer ici en quad. Ça fait du bruit, s'il te plaît. Je serais parti. Mais là, t'arrives, tu me dis bougnoule de mort, je sais pas quoi. T'es malade, toi, t'as un problème en fait. Non, mais je te le dis, t'as un problème. Faut que t'arrêtes tes conneries, gros. C'est quoi tes trucs de merde là? De bougnoule, le pays, je sais pas quoi, retourne, t'as pas les papiers, les volets. Eh hey gros, le quad, déjà c'est. Bref, j'ai rien à te prouver, j'ai rien à te montrer, je sais pas oui, t'es qui. Juste que hein? Après tu te casses. De quoi? Tu arrêtes avec ton quad, tu te casses. Non, bah je vais pas arrêter, mais t'es malade, mais t'as vu après ce que tu m'as dit, mais j'arrêterai pas. Mais t'es malade, jamais de la vie. Mais t'es fou, là je vais le démarrer, je vais faire des ruptures devant chez toi, gros. T'es fou ou quoi? Tu verras, et appelle les keufs, j'ai tous les papiers. Vas-y, y'a pas de problème, va les appeler. Vas-y. Malade lui, il n'a jamais fait celle-là.
Et un mec il m'arrête en quad. Il commence déjà pas à me dire ouais Bougnoul dégage de là avec ton quad et tout. Il est malade. Je te jure. Hein? Non, un jeune. Il m'a dit dégage, retourne en Algérie, je suis même pas algérien. Il me dit dégage, arrête, t'as volé le quad, ton quad il est volé, tu l'as acheté avec le RSA. Il est malade. Hein?